asked for unconditional good. Il y a maintenant 6 ans, j'ai commencé qu'est-ce qui allait être une trilogie pour le cœur. Je ne savais pas au moment de conception que finalement ça allait devenir une trilogie. C'est toujours ça la création. Quand on s'ouvre à l'inspiration, quand on s'ouvre à la source divine et on est là simplement en accueillant ce qui est, il y a des belles surprises, il y a des surprises qui dépasse notre compréhension, qui dépasse notre mental. Et ceci a été le cas avec mon trilogie pour le cœur. Si on regarde l'état actuel des choses sur la Terre, c'est pas dur à comprendre qu'on est en dissociation, on est en déséquilibre avec notre Terre-Mère, avec Gaïa. Et pour revenir à son essence, pour comprendre notre raison d'être en lien avec la Terre, il faut absolument regarder le cheminement et l'exemple des Amérindiens, des Autochtones qui nous ont précédés. Eux, ils ont compris l'importance du feu, de la terre, du vent, des arbres, chaque élément en étant un parmi un tout. Et pour qu'ils puissent coexister dans cette harmonie, il faut qu'on ait du respect pour ces éléments. Et ça, c'est à la base du cœur de Gaïa. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont sonné l'alerte au niveau de la destruction de notre planète, au niveau de la destruction de l'écosystème. Puis je trouve que la musique est un vecteur parfait pour transmettre ce message-là de conscience vis-à-vis de notre Terre et du soin qu'il faut y apporter pour sa survie et notre survie. Parce que sans elle, il n'y a rien. C'est sans équivoque qu'on a une responsabilité à l'honorer. Alors, dans cette série de vidéos et dans cet album, j'ai choisi de vraiment capturer le crépitement du feu, le son du vent, le son des oiseaux, le son de l'eau, les rapides, tout en incorporant une conscience pour nous montrer ce dont on a besoin pour élever la vibration, élever notre vibration pour pouvoir la préserver, pour pouvoir vibrer en harmonie avec la Terre-Mère. À travers la vidéo, vous allez voir des images ici et là de l'ours noir, de l'aigle, du loup, des biches dans la forêt. C'est tous des animaux qui ont perdu leur opportunité de voyager et de se promener libre. On a dénaturisé les climats et les forêts et les plaines dans lesquelles ils habitaient, tout comme on a dénaturisé notre écosystème en construisant des grandes villes et en poussant à créer la technologie. C'est merveilleux la technologie, mais en respectant l'équilibre. Le Heart of Gaïa est basé sur le retour de l'équilibre. L'équilibre non seulement de notre planète, mais de le peuple amérindien, les peuples autochtones, qui eux ont compris et qui ont honoré leur connexion avec la Terre. Toutes les images comme ce merveilleux lac, cette forêt, on peut entendre la tranquillité, c'est pas artificiellement créé, c'est vraiment ça. Et c'était ça quand l'humain est arrivé, qu'on a découvert cette terre dans sa qualité d'origine. On est choyé comme humain d'avoir encore des lieux comme ça.
où on puisse se ressourcer. Souvent, il faut les louer pour une fin de semaine et s'éloigner loin de la ville pour les découvrir. Et c'est ça qu'on a fait. Alors, chacun de ces vidéos, à sa manière, honore non seulement cette terre-mère, mais les peuples qui ont été ici avant nous. Je veux honorer les peuples aborigènes à travers le monde qui luttent pour son bien-être en faisant beaucoup, beaucoup d'actions pour la protéger. Malheureusement, leur voix n'est pas assez écoutée par nos politiciens, mais ils continuent quand même leur travail de conscientisation par rapport aux Blancs, par rapport aux besoins de protéger nos terres, notre eau, l'air. Fait que je voulais les remercier pour ça. Alors, quand vous me voyez les bras ouverts avec le tambour sacré, debout sur une roche, laissé par un glacier lointain, ça, c'est mon hommage aux arbres, à la majesté de la forêt, à l'union qu'on crée, l'humain et la nature, ensemble. Chaque tonalité, chaque timbre, chaque note, chaque instrument, chaque parole sont créés avec l'intention d'ouvrir le cœur et d'élever la vibration collective. Je commence toujours avec moi. Si je suis capable de moi de vibrer et de sentir que je suis vraiment rempli de cette énergie divine, mais là je sais que c'est le temps d'ensuite de le promouvoir à l'extérieur et de le partager avec vous. Et c'est mon but. Et c'était mon but sur chaque album depuis le départ de ma carrière. Là, j'ai la chance et l'honneur de retourner à la Terre-Mère, à Terre-Gaïa, pour ouvrir cette belle canal d'inspiration. On est là au service du grand plan. L'album Heart of Gaia commence avec le son tranquille d'un ruisseau et un écho à loin d'une petite flûte amérindienne qui arrive, qui ajoute son timbre, sa tonalité. Bientôt les tambours, le rythme, le battement du cœur de la terre et les voix. Tout ça pour vous montrer qu'on est un avec la terre. On vibre ensemble, on vibre en unité. Truth whispers in the wind. We hear your cries. May justice finally. Le thème central du cœur de Gaïa est la conscientisation de tout l'abus, le manque de respect, les meurtres. Les femmes disparues, amérindiennes, autochtones, et sans enquête, sans qu'on se concerne, c'est tout simplement inacceptable. La femme autochtone, amérindienne, mérite notre amour, notre respect. Il faut qu'on l'honore autant qu'on honore toutes les autres femmes. Je trouve que c'est un sujet très important parce que c'est le lot de plusieurs femmes à travers le monde aussi qui vivent des situations abusives. Et je trouve ça dommage et même surprenant que l'espèce humaine maltraite une grande partie de son humanité. Je trouvais ça important de faire cette chanson-là qui a été vraiment un point tournant dans l'album. J'ai écrit ces mots-là en les ressentant, en ressentant leur souffrance, en ressentant leur demande. Le rituel de passer le calumet de la paix de la femme médecine à l'homme blanc dont je le représente, et ensuite moi qui offre le calumet de paix à la femme, est un rituel non seulement qui boucle des générations d'abus, mais ça ouvre une nouvelle portière sur le respect entre peuples, une harmonie entre races, un amour
entre le masculin et le féminin. Et un moment intemporel dont on a tous accès et qui dévoile en images et en son la nouvelle énergie et la nouvelle conscience qu'on promouvoit actuellement sur la Terre. C'est un des moments les plus importants de l'album et de là est partie toute l'inspiration. Et je remercie grandement Samania qui m'a ouvert cette portière d'amener cette vibration que j'aurais jamais pensé d'explorer et qui est devenue finalement non seulement une chanson, mais tout un album. C'était le nucléus qui a parti tout un projet. Alors je vous demande, tout le monde, tous, de circuler le vidéo à grande échelle pour aider à répandre cette conscience. Une des grandes forces de l'art et de la musique, c'est qu'on peut aller où le mental n'est pas capable d'aller. On est capable de parler au niveau du cœur. On est capable d'ouvrir la conscience du cœur par la vibration de la musique. Et c'est ça qu'on fait avec cette chanson, Chuchoteuse de vérité, Truth Whispers. Hey, hey, what's your name? Hey, hey. La chanson Dream Feathers. Il m'est apparu un jour qu'il fallait absolument que je tourne ce clip avec un bébé, avec un enfant. Parce que l'enfant représente toute la pureté de la Terre-Mère, l'innocence de la Terre-Mère et en même temps, l'avenir. Et la chanson Dream Feathers, déjà étant une berceuse amérindienne, c'était naturel de pouvoir être proche de l'eau, l'enfant dans mes bras. C'est une expérience inoubliable pour moi qui n'a pas d'enfant. Non, c'est pas mon enfant. C'est un autre miracle, une belle synchronicité, la berceuse Dream Feathers, les plumes de rêve. Cet album a su ramener une collaboratrice de longue date par le nom d'Anaëlle, cette femme à la voix angélique, qui a béni mes premiers 11 albums avec sa timbre douce et pure. Et c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'on a pu travailler ensemble. Et sa contribution était intégrale. Non seulement la première pièce, dont une chanson qu'elle a écrite il y a de nombreuses années, que j'ai su réadapter avec une nouvelle texte, mais la chanson Truth Whispers, qui a comme origine son texte, et moi, j'ai fait des petites retouches au niveau verbe et ajouté la mélodie et la musique. Pour moi, la plus douce, la plus élevante que moi et Brad avons fait en 20 ans. C'est la première fois d'ailleurs qu'on chante ensemble. Pour moi, c'est l'équilibre du masculin et du féminin. La chanson Pipe of Peace n'est pas un duo dans le sens typique parce que chaque syllabe, chaque mot est chanté par les deux voix, qui crée un duo où tout est à sa place, un synchronisme parfait. Et quand je l'écoute, le feeling que ça me donne, c'est le féminin et le masculin, non seulement en respect un de l'autre, mais qui amène leur force, c'est-à-dire la douceur de la femme et l'ancrage et la force, l'action, le mouvement de l'homme. C'est une pièce rassurante, réconfortante, unique, et encore un autre fait saillant de l'album. Je veux vraiment dire un merci spécial à une femme de médecine qui s'appelle Samania, qui m'a ouvert la porte, qui nous a ouvert la porte sur ce monde de vibrations amérindiennes autochtones. C'était pas un monde que je connaissais beaucoup. Clairement, j'ai vécu sur cette terre avec la perspective d'un homme blanc et d'avoir accès à ce monde où je me sens reconnecté d'ailleurs avec mes propres racines était un grand privilège et vraiment un projet qui
qui a dépassé de loin toutes les attentes que j'aurais pu avoir. Alors, je veux vraiment dire merci pour m'avoir permis, à travers votre demande à vos ancêtres, de pouvoir créer cette nouvelle sonorité qui marie si bien l'ancien avec le nouveau. Gratitude for the earth. Gratitude for the sky. Gratitude for the rivers and oceans. Gratitude for the fire. Gratitude for each plant. Mon souhait serait que les vibrations et les tonalités dans cette œuvre soient non seulement inspirants pour vous, mais qui vous inspirent à votre tour de vous responsabiliser vers votre engagement pour la Terre-Mère, pour qu'on ait une planète dans quelques années, pour nos enfants et pour ceux qui vont nous suivre. Merci de cet honneur d'à nouveau partager ma vision artistique avec vous. Be the change.